Moi, c'est ça la disparition aussi, c'est le fait de vouloir s'effacer absolument de tout le monde. C'est un récit de fiction qui suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Clara et qui est poétesse et aussi attachée de presse dans une maison d'édition. Ça la suit pendant qu'elle fait un épisode dépressif majeur. Je voulais vraiment que ça soit un livre qui soit vraiment collé à son point de vue, à elle, et qui montre en fait qu'est-ce que c'est que cette maladie à travers notre relation aux autres et comment on se sent et les émotions. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui... Pas qui ferait du bien, genre je veux pas du tout dire ça, mais genre quelque chose qui soit pas douloureux, mais qui soit juste peut-être. Je dis souvent que les œuvres que je préfère, c'est des œuvres qui sont douces et amères, et je pense que c'est ça que j'avais envie de faire. C'était après une discussion avec une amie où on s'est rendu compte que c'était très difficile de parler de ces émotions-là, de parler de ce goût de plus vraiment avoir de goût pour rien en fait, ne plus exister. À quel point c'était difficile de mettre des mots dessus premièrement et surtout être écoutée, être entendue parce qu'il y a comme une peur, il y a un tabou. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une histoire pour montrer un peu ce par quoi on passe. La dépression, on la voit soit comme quelque chose de grave, en fait, que quand quand ça finit au suicide, que quand il y a ce débouché dramatique, et qui est effectivement dramatique, et il faut en parler, bien sûr. Ou alors, sinon, voilà, c'est l'image de la personne qui peut s'en sortir si elle le veut, qui est couchée dans son lit toute la journée, et qui, un jour, décide de... on lui dit, va prendre une marche en forêt, et puis elle y va, et d'un seul coup, elle est guérie. Et j'avais envie de sortir de cette espèce de ces deux visions-là qu'on avait. À un moment, il y a une scène de karaoké, donc ses amis la tirent vers elle parce qu'elles ont envie de la voir. Et pour moi, c'est assez représentatif peut-être de la construction de l'histoire, ou dans le sens que tout se passe bien jusqu'à qu'il y ait quelques petits obstacles. Et là, ces choses qui ont l'air pas si graves sont hyper intenses parce qu'à cause de l'état dans lequel elle se trouve. Et au final, elle finit par fuir, en fait, quitte à inquiéter les autres, parce que c'est ça, à un moment, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien à donner, à offrir, et c'est le moment du repli stratégique. Petit à petit, elle s'isole de plus en plus, elle se coupe des autres, même quand elle est avec eux, et il y a vraiment plus un mur qui se forme, et elle se retrouve très seule. Pour moi, c'est ça, la disparition aussi, c'est le fait de vouloir s'effacer absolument de tout le monde parce qu'on n'a juste plus d'énergie, ou que c'est trop difficile, ou juste qu'en fait, on ne pense pas au fait que ça pourrait être positif. J'ai vraiment essayé qu'il n'y ait pas une gentille et des méchants, c'est vraiment pas ça pour moi. Et même les personnages qui peuvent être durs avec elle, il y a une de ses amies qui est très brusque et qui vraiment lui dit les choses, est-ce que tu vas te suicider ou non, et si tu vas pas te suicider, ben fais un effort un peu. Et je voulais vraiment montrer qu'elle n'était pas méchante ou pas insensible, c'est juste on ne sait pas comment en parler, la plupart des gens sont hyper mal à l'aise. J'avais vraiment envie de montrer que ça prenait certains outils que tout le monde n'a pas, et parce que en fait la société les donne pas. On peut bien faire de beaucoup de façons et on peut mal faire de beaucoup de façons, et avec toutes les intentions différentes du monde, et voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être en dépression, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de vivre ça. Je pense aussi que quand on est une femme, c'est une raison qui est très courante, malheureusement. Et je voulais vraiment parler de l'impact que ça a, du fait que ça dure très longtemps, du fait que c'est quelque chose qui c'est pas quelque chose qui est juste une blessure dans les jours qui suivent, que ça peut prendre des années, s'installer d'une façon où on n'a pas l'impression que c'est lié directement, manger complètement toutes les autres parts de la vie, et en plus de l'injustice, comme de l'injustice que quelqu'un te fasse quelque chose et que tu souffres à cause de ça, et que tu dois payer à cause de ça, que tu dois faire des efforts pour aller te soigner, etc. Et c'était très important pour moi que ça soit quelque chose qui soit pas choquant, en fait. Que ce soit quelque chose qui soit dit du côté des personnes qui sont concernées. Je pense que le dessin doit vraiment servir l'histoire, donc j'ai vraiment travaillé les aplats de noir, le dessin. Par exemple, je me suis beaucoup inspirée des shoujo que je lisais quand j'étais plus jeune, donc des mangas faits par des femmes pour plutôt un public de jeunes filles. Où il y a, je trouve, justement un travail des expressions qui est très très riche. Et c'est ça que je voulais, en fait. Je voulais vraiment que ce soit expressif et qu'on voit la douceur ou la détresse. Et j'ai vraiment essayé par le traitement des personnages, de leur corps, de leur visage, des fois le fait de...
je me rendais compte que ça marchait mieux de ne pas mettre de yeux, pas mettre de bouche, mettre un visage tout blanc ou juste enlever un œil. J'essayais vraiment, en faisant le dessin, de voir qu'est-ce qui marchait le mieux et de trouver comment rendre l'émotion ou l'idée que je veux faire passer.